dépend. En soi, c'est bien décalé. Hein? Je suis content d'être là. Ouais. On a mis la ligne au fond de la vague, maintenant on met un peu de ligne là. Et... C'est bien. Et elle l'a connu alors Pierre-Henri Simon, ta maman. Elle l'a connu, oui. Oui, oui, elle l'a connu. Oui. On a joué un livre de lui, maintenant en anglais. J'ai pris qu'une cigarette ce matin. J'ai une carte de visite, ça va venir. Thank you. T'en as d'autres exemplaires comme ça? C'est génial. Alors là, franchement, c'est bien. Il est réédité ce machin ou pas? Il faudrait que tu le fasses rééditer à compte d'auteur. Hein. Pierre-Henri Simon? Non, les Châteauneufs. Les Châteauneufs, mon grand-père était paysan, mais avant lui, ils étaient notaires. Les parents de mon grand-père étaient notaires, Châteauneuf. Ah oui. Eh oui. Ils étaient notaires à Mirambeau, Saint-Fort, je ne suis pas trop sûr, mais. Oui, non. Pas son grand-père. Non, ça revient, mais. Louis le Grand, ben oui. Du Vietnam et d'Algérie, il a vécu la même chose, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'était eux les agresseurs et les autres qui étaient les agressés, quoi, tu vois. Et il disait que, ben, et là, tu te poses des questions existentielles, fondamentales. Mais il en parle, Pierre-Henri. Ah oui, oui, il parle beaucoup de ça. Il dit en Algérie, on faisait prisonnier un officier, par exemple, Vietmine. Mais l'officier Vietmine avait été au lycée français, à l'école française à Paris, il avait été formé, etc., dans la liberté, etc. Et il ne comprenait pas qu'il travaille pour des... qui est impossible à résoudre. Et il s'opposait à Camus, à Jean-Paul Sartre, alors. À Sartre, oui. Oui, c'était un humaniste, hein, quand même. Hein. Un humaniste complet. Mais à un moment donné, il se dit, bon, ben, à un moment donné, le pur, il ne se salit pas les mains, et puis l'autre, il obéit aux ordres, point la ligne. Alors, donc c'est un dilemme, quoi. C'est le dilemme, l'impossibilité de se situer. Alors, il y en a qui vont d'un côté, d'autres qui vont de l'autre. Vous connaissez bien, alors, Pierre-Henri Simon? Hein? Il faudrait qu'il vienne. Parce qu'il ne produit pas la vertu, ou d'une vertu qui fleurit en dehors de la foi, la présence de Camus. Et il se montrera sévère vis-à-vis des chrétiens qui font ainsi de l'incroyance des autres la sanction d'un péché, comme si leur foi était la récompense d'un mérite. Tu vois? Oui, les chrétiens, ils ont une foi, alors ils fonctionnent avec leur foi, mais enfin, dans la tête, ils ne réfléchissent pas, quoi, tu vois.
Oui, c'est pas mal. C'est la sagesse du soir, oui. Super intéressant. Je vais te dire au revoir. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, avec ce qu'il fait. Là, mon t-shirt magma. Là, on fait quoi? C'était à jeter ça? Oui, c'est à jeter. On met ça dans le sac. Magma! C'est sur tout le bout, je vois, vous pouvez. Sans penser à... J'avais déjà oublié qu'il avait tout ça. Ah oui, ouais. Mais tu vois, tu te plaisais tout le temps.